Bienvenue à la médiathèque Lerner, qui fait partie du réseau des médiathèques de Plaine Commune. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous conter deux petits contes divers. Sac de vérité, sac de rêve, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il y a très 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 longtemps, en France, vivait une pauvre veuve. Elle avait perdu son mari il y a bien longtemps. Et elle avait un petit garçon adorable. Ce petit garçon était très intelligent, très gentil. Il rendait toujours service à tout le monde. Il était incroyable, ce petit garçon. La veille de Noël, il va voir sa maman. Et dans le panier, elle avait une oie. La seule oie qu'il possédait. Le petit garçon dit à sa maman, « Mais pourquoi tu as tué l'oie ? Mais nous n'avons rien à manger pour Noël, mon fils. Alors j'ai tué l'oie, au moins nous aurons quelque chose à manger. » Le petit garçon, qui s'appelait Petit Jean, a dit à sa maman, « Écoute, je vais prendre l'oie et laisse-moi faire. Je vais aller l'offrir au roi. » « Tu es sûr ? Mais nous n'avons rien à manger. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. » Petit Jean a pris son oie de Noël et est allé chez le roi. Il a été reçu aussi civilement que le peut un roi. Et le roi lui dit, « Bah, tu es là pourquoi ? Bah, sire, je vous offre une oie. C'est la seule oie que nous possédons et je vous l'offre parce que vous êtes bon, vous êtes gentil avec tout le monde. Donc moi, je veux vous faire un cadeau pour Noël. » Le roi a dit, il dit à sa femme, la reine, c'est encore un qui veut des sous, c'est encore un qui veut nous rouler, on verra bien. Je vais lui poser une colle. Très bien, jeune homme. Eh bien, tu vois, c'est toi. Tu dois la partager entre moi, ma femme, la reine, mes deux filles et mes deux garçons, les deux princesses et les deux princes. Il appela le cuisinier pour qu'on lui donne un couteau et Petit Jean se mit à préparer l'oie. Il coupa la tête de l'oie. « Sire, vous êtes à la tête du royaume, je vous donne la tête. » Bien, acquiesça le roi. « Reine, vous êtes assise et vous donnez des ordres à tout le monde. Je vous donne le croupion. » Bien. Vos fils vont bientôt partir, sire. Donc, je leur donne chacun une patte. D'accord. Les ailes, je les donne à vos filles, puisqu'elles vont bientôt partir. Elles vont épouser de jolis princes. Et après, elles partiront du royaume. D'accord, d'accord. Le roi a été tellement surpris qu'il a regardé Petit Jean. Et il a dit, « Et le reste de l'oie, qu'est-ce que t'en fais ?»« Bah, c'est pour moi !» Le roi a éclaté de rire et il a donné une jolie petite bourse d'or à Petit Jean. Petit Jean est rentré tout content chez lui. Il a acheté plein de nourriture, plein de pain, plein de bonnes choses, plein de fruits, plein de légumes. Sa maman a fait la popote et ils étaient très heureux. Et ils ont passé un super réveillon de Noël. Quelques temps plus tard, Petit Jean, tout content, montrait sa bourse d'or à tout le monde. Et il avait un voisin. Et ce voisin était très méchant, très avare. Il a demandé à Petit Jean comment il avait eu tout cet or. « Ben c'est simple, je suis allé voir le roi, je lui ai offert la seule oie qu'on avait, et j'ai fait le partage, et le roi m'a donné une bourse d'or. » Incroyable! Son voisin
a parlé avec sa femme et il a eu une idée. Il a dit, si c'est aussi facile d'avoir de l'or, moi aussi je vais y aller. Et le voisin est allé pour le jour de l'an avec 5 oies à offrir au roi. Et là, il arrive chez le roi, il dépose ses 5 oies, il dit au roi, voilà, sire, c'est un cadeau pour vous. Oui, d'accord, mais nous sommes 6, comment tu vas faire pour partager 5 oies? Et là, le voisin, il n'a jamais trouvé la solution. Il n'a jamais su. Il ne savait pas comment faire. Alors le roi a commencé à s'énerver. Il a dit, bon, qu'on aille chercher Petit Jean pour régler cette histoire. Ça commence à bien faire. Ça m'énerve. Petit Jean arrive. Il voit les 5 oies. Et il dit, sire, c'est très simple. Vous, le roi et la reine, ça fait 2. Plus une oie, ça fait 3. Vous, les garçons, les princes, un prince plus un prince, ça fait 2. Plus une oie, ça fait 3. On est d'accord. Vous, les princesses, une princesse plus une princesse, ça fait 2. Plus une oie, ça fait 3. Et Petit Jean prend les 2 oies qui restent et il dit, Petit Jean, plus une oie, ça fait 3. Le compte est bon. Le roi a éclaté de rire. Il a donné une énorme bourse d'or au petit garçon, à Petit Jean. Et Petit Jean est reparti chez lui tranquillement. Mais comme il n'était pas avare, comme son voisin, il a offert une oie de Noël à son voisin. Et son voisin, très mécontent de cette histoire, n'en a pas fait de bruit, évidemment. Il n'en a parlé à personne. Il est parti tout penaud chez lui avec son oie. Et pour le nouvel an, Petit Jean et sa maman ont de nouveau festoyé. Et l'histoire ne s'arrête pas là, les enfants. Petit Jean a grandi, il est devenu riche, et aussi, plus tard, dans le royaume, il est devenu intendant du roi. Il s'est occupé des affaires du royaume, toujours avec une grande générosité et une grande honnêteté. Et voilà, mon petit conte est terminé. Thank you.